L'équipe a couru en des bagages. Et là, sur une grosse score de 4 buts à 1, comment vous expliquez ça? Bonsoir tout le monde. On vient à peine de Gabon. Il y a à peine de terminer une compétition auquel nous avons perdu quelques années. Je pense quand même que l'entrée, ça fait très mal. Et je n'ai pas sincèrement bien trouvé toute l'équipe aujourd'hui. Ça, je pense que la compétition va à sa fin. Nous avons essayé de ne pas nous continuer là-dedans. Dans quelques jours, nous devons jouer le programme. Et ici, aujourd'hui, dans tous les compartiments, je ne peux pas dire que ça a été quelque chose de bien. Nous n'avons pas été à la hauteur de notre tâche. C'est un match de football. Ça a pris. On a vu la marque. La compétition elle continue. L'essentiel, c'est de garder les buts du sol. Donc il y a un grand duel également qui va se jouer sur le terrain. Ce soir, Uganda Guinée, ça va être un grand derby. Ce soir, Togo Ghana, ça va être un grand derby. On a toujours l'espoir. On n'a pas encore. Alors, on n'a pas répondu à la question. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est le joueur qui n'a pas respecté les consignes? Est-ce que c'est qu'il y a des limites quelque part? Dites-nous clairement ce qui s'est passé. Je viens de voir. On n'est pas tout ensemble aujourd'hui. Je ne peux pas dire c'est à tel compartiment. Du gardien jusqu'en attaque. Quand même, nous avons concrétisé quelques occasions où nous les avons ratées. Le penalty, si on l'avait marqué, je pense que ça devait représenter un autre visionnement du match. Du coup, le but raté également a fait que Kamele, beaucoup d'entre eux se sont découragés sur le terrain. On ne sait pas retrouver du temps pour nous. Oui, monsieur l'entraîneur. Alors, vous étiez mené 2-0. Quel a été au juste votre discours au vestiaire par rapport au placement des joueurs, par rapport à l'équipe adverse? Est-ce que vous avez décelé de compétents dans l'équipe adverse ou vous avez décelé de manquements dans votre équipe? Pour pouvoir corriger. Je pense quand même que nous avons essayé depuis un certain moment, depuis que nous avons commencé les séances de mercredi, le mercredi, le mercredi, nous avons essayé de parler à la discuter et de parler de l'équipe adverse. Et la réunion aujourd'hui également, nous avons rappelé à tout le monde à l'ordre. Nous avons parlé du comportement de cette équipe. Nous avons essayé de déceler certains éléments très clés de cette équipe hollandaise. De l'équipe guinéenne. Malheureusement, dans certains compartiments, nous avons quand même eu certaines méfaites. Pour dire que l'ensemble, plus précisément, à certaines. Franck, Boris James, puis positif. Oui, coach, cet après-midi, vous avez semblé bricolé. Je prends l'exemple. Vous avez un gaucher naturel qui est Louis de Martin. Vous avez choisi de mettre Sigufia, qui n'est pas dans son rôle, ce qui a un peu faussé les calculs du match d'entrée de jeu.
Oui, on peut dire ça, c'est clair. Mais quand même, je pense quand même que aux séances d'entraînement, le peu de temps, une fois, c'est que nous avons un peu de fière, un peu de temps, et à l'ouverture, on se sent d'entraînement. J'ai pu bien prévaler cette place, mais malheureusement, comme je viens de le dire, je ne savais pas, il y a eu certains comportements dans lesquels. Il n'y a pas eu de doublage en tant que ça. Mais je pense quand même que c'est d'abord c'est dans la mentalité de nos joueurs. On n'a pas gagné à ce duel. On a été dans le but de duel au match venu. Notre repositionnement, notre placement n'était pas aussi à temps. Donc c'est seulement que ça fait que. Coach, il paraît que certains joueurs en état du gardien à Kassa auraient refusé de jouer lorsque vous avez voulu opérer certains changements. Vous confirmez? Oui, on s'est rapproché un peu de lui. Vous savez que jusqu'à présent, son état de santé n'est pas le plus fort que ça. Nous avons essayé de préparer la finance. Mais son état de santé avec c'est pas qu'il n'a pas voulu, il a voulu quand même aller, il a pensé à son état de santé. On a préféré. Je veux parler du développement du match, pas à début du match, après les deux qui ont blessé, tu aurais vu quand même. On s'est rapproché de lui pour le changement. C'était l'approche de lui. Mais c'est là que, compte tenu de son état de santé, il a certainement. Pourquoi l'avoir pris le gars? Amen. Pourquoi l'avoir pris? Amen. Amen. Une partie de notre prochain qui est prise en compte, concernant le casting, ça n'a pas été du tout ça. Est-ce que vous reconnaissez? Oui, c'est. Ou non? Non, je l'ai reconnu. L'équipe. Elle a eu plus de temps que les séances de l'équipe. Elle était là depuis le dimanche, elle a été sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan technique. Elle a été quand même en fait, je veux reconnaître que nous avons fait. Alfred, Michel, oui, aussi, c'est le temps, c'est fini. Vous avez déclaré que. Agassa n'était pas au point au niveau de sa forme. Alors pourquoi l'avoir convoqué? C'est un gâchis. S'il n'est pas bien portant, il ne vient pas. Voilà, là vous l'avez convoqué. Et vous le dites qu'il est malade, je n'ai pas fini. Chez même pénalty, il nous restait une bonne 15 minutes. Il y a un des changements à faire. Mais c'est le tout pour le tout. On a fait rentrer Frère de Jonathan à 5 minutes, il va rentrer dans le match quand et puis voilà. Ensuite, Dossé, lui, c'est vrai, vous l'avez aligné dans le jeu. Je me demande si vous êtes satisfait de vos binationaux, ceux qui ont joué à l'heure dans le corps. Je me demande si vous êtes satisfait. Parce qu'on a cru qu'ils allaient peut-être changer l'équipe de Manuel. Je suis le premier à être déçu de leur prestation. Vous dites que c'est d'abord c'est tout le groupe qui n'a pas bien marché. Bon, on attendait beaucoup plus par rapport à cette binationaux. Et la dernière question. Vous nous avez refusé de venir au stade comme vous l'avez fait. C'est vrai. Bon, on a pensé qu'on devait gagner. Et on pouvait me pardonner. Mais ça n'a pas été du tout sérieux. Les journalistes qui arrivent et on les chasse. Il y a des balles qui ont été signées par un entraîneur. Et on ne sait pas comment le tri a été fait. Mais ça fait le rôle d'un entraîneur, c'est pas de signer des balles. Vous avez empêché de faire le bon travail et après si on doit porter plein de temps. Pas le président qui a voulu. On laisse l'entraîneur s'expliquer, s'il vous plaît. Oui, donc déjà, je voudrais tout de suite m'en insulter. Qui n'était pas de ma volonté. Je pense quand même que j'ai reçu un programme tout à fait hommage à ma secrétaire. J'ai demandé que le lundi et le mardi que ce soit.
soir. Je tiens aussi ce programme 3 semaines avant la compétition. Et j'ai demandé le 10 mardi que je sois libre. Mais dans la conception des billets, je n'étais pas tellement avisé que les joueurs allaient, on avait les billets, que les joueurs allaient arriver le lundi et le mardi soir. Et rendez-vous compte qu'on n'avait que 2 séances d'entraînement. On avait seulement 2 séances d'entraînement. Donc le programme qui a été déjà établi, je pense que ce n'est pas moi qui a appelé à dire de nous refuser à la presse. Nous avons discuté quand on m'a appelé le matin. J'ai donné à Samson l'ordre à ce que si l'incident qui s'était passé lors de nos 2 premiers matchs où la foule était rentrée sur le tapis, mais au niveau des journalistes, je vous en prie, certainement je n'ai jamais dit qu'aucun journaliste n'a le problème est posé. Je ne sais pas si on va nous convaincre avec ça. On continue. Michel. Après, la question. Allez. La question. C'est la même question. Non, non, c'est pas la même question. Coach, je vais poser 2 questions. La première, c'est votre appréciation par rapport aux nouveaux joueurs qui ont intégré l'équipe. Puisque au moins les 2 qui sont arrivés maintenant, vous les avez vu jouer. Quelle appréciation avez-vous sur leur apport pour le groupe? Et une seconde question, vous saviez mieux que tout le monde que cette équipe guinéenne avait un milieu très étoffé, très rapide. Mais vous avez laissé Guiné démarrer le match seul à ce niveau. Il a couru seul à gauche et à droite puisque Fleuve qui devait l'accompagner est très très offensif. Est-ce que quelque part l'absence de Alexis Mbao vous a perturbé dans vos choix tactiques? Ok, alors on se pose sa question en même temps et puis on répond aux deux et puis on comprendra. Oui, mais coach, je ne veux pas parler de votre casting parce que c'est un fiasco total. Maintenant, vous avez joué comme si vous ne connaissez pas cette équipe. Pourtant, vous l'avez joué au match à l'île. Je suis sûr que vous avez dû quand même suivre certains de leurs matchs. Vous savez que c'est une équipe très à l'aise au milieu de terrain. Pourquoi ne pas rester au moins dans la configuration du match retour contre l'Ouganda et essayer de mettre, par exemple, un meneur de jeu à la personne de Floyd pour pouvoir arriver dans le jeu? Moi, ça m'a fait une première question. La deuxième, quelle magie? Par quelle magie vous allez vous faire gagner au Canada? Parce que vous, les Togolais, nous voulons être à la table, nous voulons être à Guinée équatoriale. Bon, on laisse vous poser cette question et puis. Tu veux la réponse? Je pense que nous sommes en football. Nous sommes en football. L'essentiel, on vient d'une séance tout de suite. Et à partir de ce soir, que ce soit tout le staff, que ce soit les joueurs, je pense qu'on est venu ici un peu en retard, venu de la conscience générale de l'équipe à ce soir. Nous avons commencé.